sais, moi ça me va. C'est toi, tu me dis ça te sert. Histoire naturelle. Comme je suis de New York, comme je suis de Londres. C'est bien, je m'intéresse à tout. Il faut qu'on s'occupe pour pas souffrir du décalage horaire, pour qu'on se mette tout de suite dans le rythme. Et voilà, ça permet d'occuper la journée et puis bah, en même temps, on va en apprendre un petit peu plus. C'est pour pas que on soit déréglé, donc il faut s'occuper et reprendre le plus vite possible le chemin normal, on va dire, du sommeil et des entraînements et tout ça, parce qu'on joue déjà vendredi. Ça va venir très vite. Attention, t'as un dinosaure derrière toi. Alors là, c'est le Triceratops. Un expert avec moi, donc il me fait la visite. Triceratops. Monsieur Blake, bah, c'en est un lui-même. J'aime bien les dinosaures, mais je me fais chambrer parce qu'ils m'appellent le dinosaure. Donc, ils sont contents. Mais non, si, j'aime bien. J'aime bien l'histoire naturelle. Donc voilà. C'est ça le problème, vous appréciez pas les choses. Viviane, c'est j'aime trop les musées. En plus, là, on est tombé sur les dinosaures, donc c'est cool. Jurassic Park. Franchement, c'est impressionnant. Quand je vois la taille des dinosaures, c'est très, très impressionnant. Mais ça fait du bien, ça change. Ça fait du bien dans l'esprit de voir quelque chose d'autre, donc on profite. Imagine un jour, on se retrouve face à quelque chose aussi grand. Mais comme quoi, il y a vraiment eu de tout sur la planète. Il y a énormément d'espèces sur Terre dont on n'a pas forcément connaissance. Et il y en a qui arrivent même à se demander si elles existent vraiment, parce qu'on n'en a vraiment jamais entendu parler. Il y en a certaines, on espère ne pas les croiser ici. Je pense que c'est très joli. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'espèces animales en Australie. Non, franchement, c'est intéressant de voir tout ça. Regardez. Ça nous permet de nous réveiller aussi tout en douceur après ce long voyage, donc non, c'est intéressant, c'est cool. Good luck, but I mean, we want Australia to win, but then you can come second. Yeah, sorry. Sorry. Yeah, look, guys, what do you say? Thank you. Do it. You can see that there's an AFL ground at the back there. Okay, you can see the big goals over there, the behind posts, and there's a cricket pitch in the middle as well. There, that's obviously overgrown for the soccer season, but that's how you know that you're in Australia. You can just have a look at maybe the players and look at the coaches and the support staff with their jackets. I've got something very there that they have to wear to stay nice and warm, but absolutely, yeah, this is definitely winter, but not quite here. About 2 hours, there's a bit of snow as well. Le joueur qui a fait rêver. Already I believe there's going to be a crowd of 40,000 plus, so to say it's not a World Cup game, but to be a game that's going to be preparing for the World Cup, I think it just goes to show you how excited Australians are for the women. Hey Costa, sans toucher, sans toucher. La première séance après le déplacement, donc c'était un peu dur pour les jambes. On est assez fatigué, donc voilà, on va bien se remettre, on va bien se reposer, et voilà, ça va bien se passer.